Voilà, bienvenue à tous et nous voilà en direct du sommet, quasiment. Donc j'ai réussi. Donc voilà ce qu'on appelle être sur le toit du monde. Quand on est à la ville en dessous, les nuages à sa hauteur, mais vraiment au-dessus de sa tête quoi. Vous voyez, celui qui est devant moi là. Voilà, alors je me suis arrêté ici parce que comme vous pouvez voir, effectivement, on est vraiment très très haut. Donc je me suis arrêté sur un tout petit point rocheux, à côté d'une nichée de vautours. Alors j'ai fait quelques petites photos, on les voit pas vraiment bien, mais la nichée de vautours, en fait, elle est ici. Voilà, ça fait plusieurs fois que moi je viens, et à chaque fois, c'est ici que je les aperçois. Alors à l'appareil, on peut pas le voir, mais à peu près à cet endroit-là, ils ont fait leur nid, leur repère, quoi. C'est vraiment, voilà, là, ici, pardon, qui a beaucoup de traces d'écrasement d'herbe. Et quand je suis arrivé, je l'ai surpris. Et en fait, il a décollé de par là, comme ça. Donc, j'espère que j'aurai la chance, de le voir, se reposer. Parce que c'est vraiment un animal qui est gigantesque, qui est énormissime, quoi. Vous pouvez pas vous rendre compte vraiment de l'envergure tant que vous l'avez pas vu passer devant vous, vous l'avez pas vu, vraiment, à 2 mètres de vous, quoi. Donc, j'ai pris quelques photos. Je pense que vous verrez juste un point noir. Mais enfin, il faut vraiment y être pour le voir, quoi. C'est hallucinant, quoi. Voir cet animal si grand, si majestueux, si décollé juste à quelques mètres de vous, parce qu'en vérité, on voit pas. Hein. Mais là, ici, là, il y a quoi? Il y a. Allez, même pas 20 mètres devant moi, quoi. Le vide qui sépare. Donc vous voyez, encore une fois, le vautour il a choisi un endroit inaccessible. Donc le sommet, il est ici. Ouais, il n'y en a plus pour longtemps, là, 10 minutes, même pas quoi. Mais j'ai vraiment voulu m'arrêter là pour vous montrer la nichée de vautour, quoi. C'est ici, donc on voit rien. Hein. Les parents viennent de partir là, mais c'est leur repère, quoi. Donc j'espère qu'au long des quelques minutes qui me restent à passer en haut et sur la promenade, j'espère que j'aurai une chance de vous les montrer, tant cet animal est majestueux, quoi. Donc voilà quoi, je vous referai sûrement une autre petite vidéo, des photos au sommet, et voilà quoi. Merci de me suivre, quoi. Et à très vite pour d'autres images sur la suite de la promenade qui est bientôt finie pour le sommet. Allez, bisous à tous, merci, à très bientôt, ciao!